Leçon 1. Dans la section communication, nous allons voir les expressions de salutation et comment se présenter. Dans la section vocabulaire, nous allons voir les adjectifs de nationalité, les pays et les langues, et les chiffres de 1 à 100. Dans la section prononciation, nous allons voir l'alphabet. Et dans la section grammaire, nous allons voir les pronoms sujets, les articles définis et indéfinis, et le verbe être et avoir. A, A majuscule, A minuscule. B, B majuscule, B minuscule. C, C majuscule, C minuscule. D, D majuscule, D minuscule. E, E majuscule, E minuscule. F, F majuscule, F minuscule. G, G majuscule, G minuscule. H, H majuscule, H minuscule. I, I majuscule, I minuscule. J, J majuscule, J minuscule. K, K majuscule, K minuscule. L, L majuscule, L minuscule. M, M majuscule, M minuscule. N, N majuscule, N minuscule. O, O majuscule, O minuscule. B, B majuscule, B minuscule. Q, Q majuscule, Q minuscule. R, R majuscule, R minuscule. S, S majuscule, S minuscule. D, D majuscule, D minuscule. U, U majuscule, U minuscule. V, V majuscule, V minuscule. W, W majuscule, W minuscule. X, X majuscule, X minuscule. Y, Y majuscule, Y minuscule. Z, Z majuscule, Z minuscule. Alors, commençons par les articles définis. Nous avons le, masculin singulier, la, féminin singulier, et les, pluriel masculin et féminin. L'article le s'utilise avec un nom de genre masculin, mais devant une voyelle, le s'apostrophe. Voyons quelques exemples. Alors, nous avons le chat, le chocolat, mais l'arbre, l'enfant. Ensuite, nous avons l'article féminin, la. La s'utilise avec un nom de genre féminin. Et comme pour le, la s'apostrophe devant une voyelle. Exemple, la dame. La maison, mais l'illusion, l'idée. Les s'utilisent avec un nom pluriel de genre masculin et féminin. Les ne s'apostrophent pas devant une voyelle, mais il faut faire la liaison. Voyons dans les exemples. Alors, les arbres, les enfants, les idées, les illusions. Passons maintenant aux articles indéfinis. Nous avons un, masculin singulier, une, féminin singulier, et des,
qui est l'article pluriel, masculin et féminin. Un s'utilise avec un nom de genre masculin et devant une voyelle, nous devons faire la liaison. Exemple, un arbre, un enfant. Une s'utilise avec les noms de genre féminin. Avec une, il n'y a ni apostrophe ni liaison devant une voyelle. Exemple, une dame, une maison, une illusion, une idée. D s'utilise avec un nom pluriel de genre masculin et féminin. Et devant une voyelle, il faut faire la liaison. Exemple, des enfants, des illusions, des idées, des arbres. Voilà, pour récapituler, les articles définis, le, la, les, et les articles indéfinis, un, une, des. Alors, les pronoms sujets. Je, première personne du singulier. Je suis italien. Tu, deuxième personne du singulier. Tu es sympathique. Il, troisième personne du singulier. Masculin, il est intelligent. Elle, troisième personne féminin singulier. Elle est timide. On, troisième personne impersonnelle, on est ami. Nous, première personne du pluriel, nous sommes amis. Vous, deuxième personne du pluriel, vous êtes mes amis. Il, troisième personne masculin pluriel, ils sont français. Elles, troisième personne féminin pluriel, elles sont italiennes. Approfondissement. Tu. Tu s'utilise pour parler à des amis, à des membres de la famille ou des personnes avec qui on a de la familiarité. Par exemple, salut Patrick. Tu es mon ami préféré. Patrick est un ami. Salut papa, tu es d'accord avec moi? Papa est un membre de la famille. Il. Il s'utilise pour parler d'une personne masculine, mais aussi d'une chose, d'un objet de genre masculin. Par exemple, c'est Michel. Il est de Marseille. Michel ici est une personne de genre masculin. C'est un téléphone. Il est moderne. Le téléphone est une chose de genre masculin. Elle. Elle s'utilise pour parler d'une personne féminine, mais aussi d'une chose de genre féminin. Par exemple, voici Francine. Elle est française. Francine est une personne de genre féminin. C'est une fleur. Elle est belle. Une fleur est une chose de genre féminin. On s'utilise dans le langage familier comme synonyme de nous, mais aussi dans la forme impersonnelle. Par exemple, nous sommes français, on est de Paris. Ici, nous et on sont synonymes. En France, on parle français. En Italie, on parle italien. Ici, nous avons la forme impersonnelle. Vous.
vous s'utilise pour parler à plusieurs personnes, mais c'est aussi la forme de politesse. Par exemple, Marc, Jean et Michel, vous êtes étudiants? Ici, nous parlons à plusieurs personnes. Monsieur Dupont, vous prenez un café? Ici, j'utilise la forme de politesse. Il s'utilise pour parler de personnes masculines ou mixtes, mais il s'utilise aussi pour parler d'objets de genre masculin. Par exemple, Marc et Michel sont à Paris. Ils sont en vacances. Ici, nous avons deux personnes de genre masculin. Marc, Marie et Marie sont à Rome. Ils sont en vacances. Ici, nous avons un pluriel mixte. J'ai deux téléphones. Ils sont modernes. Ici, j'ai un pluriel pour des objets de genre masculin. Elle s'utilise pour parler de personnes féminines, mais aussi pour parler d'objets de genre féminin. Par exemple, Marie et Justine sont à Paris. Elles sont en vacances. Ici, j'ai un pluriel féminin. J'ai deux poupées. Elles sont belles. Ici, j'ai un pluriel pour deux objets de genre féminin. Allora, vengo in vostro aiuto e vi rispiego in italiano i pronomi soggetto del francese. Allora abbiamo je. Je è la prima persona del singolare, non c'è nessuna particolare difficoltà se non quella di ricordarsi di pronunciare correttamente sin dall'inizio e quindi je. Non je, né je, ma je. Poi abbiamo tu, che si utilizza alla seconda persona del singolare e anche qui pronunciate correttamente tu, non tu e altre cose che spesso sento, quindi je, tu. Poi abbiamo il, che è il pronome terza persona singolare maschile, che si usa con persone o cose di genere maschile. Esempio, voici Marc, il est français. Qui abbiamo una persona. Oppure posso dire voici mon téléphone, il est moderne. Qui abbiamo le téléphone che è un oggetto di genere maschile. Poi abbiamo elle che è la terza persona singolare femminile che si usa sia per persone che per oggetti di genere femminile. Per esempio, voici Dolores, elle est espagnole, quindi abbiamo una persona. Oppure voici une fleur, elle est belle. Qui abbiamo un oggetto di genere femminile, la fleur. Poi alla terza persona abbiamo anche il pronome on. On che può avere due tipi di significati, due tipi di uso. On può essere usato nel linguaggio informale, nel linguaggio parlato, come sinonimo di noi, di nous. Quindi posso dire ce soir nous allons au cinéma, oppure posso dire ce soir on va au cinéma. E quindi qui nous e on sono sinonimi. E l'altro uso del pronome on è quello di una terza persona impersonale. Per esempio, se dico in italiano a scuola non si fuma, al ristorante non si parla al telefono, qui uso una forma impersonale. Questa forma impersonale si traduce in francese con il pronome on. Per esempio, en France on parle français. En Italie on mange des spaghetti. Quindi in Francia si parla francese, in Italia si mangiano spaghetti, ho utilizzato una forma impersonale. Poi abbiamo nous, che è la prima persona plurale, e quindi niente da segnalare. Poi abbiamo vous, che può avere due usi, o usati come plurale, come un po' plurale, se mi rivolgo a più persone. Per esempio, Marc e Jean. Vous venez au cinéma?
quindi qui uso un V che è un riferito ad un plurale. Oppure può essere usato come il nostro lei di cortesia, per esempio Monsieur Dupont, vous prenez un café? Qui quindi vous è sinonimo di del lei di cortesia. Poi abbiamo il con la S, I-L-S, il che è una terza persona plurale maschile, riferito a persone o cose. E poi abbiamo el, plurale, scritto E-L-L-E-S, è il plurale che si usa riferito a persone, femminile, plurale. Il, el, singolare e plurale hanno la stessa pronuncia, sarà quindi il contesto a dirvi se si tratta di un singolare o di un plurale. Dimenticavo di dirvi che per quanto riguarda il plurale, vi ho detto si usa appunto come un maschile plurale, ma può essere usato anche come un plurale misto. Per esempio, se io dico Marc, Justine, Caroline e Anne vont au cinéma, ils vont au cinéma, il soggetto che è un soggetto misto, un uomo e cinque donne, viene sostituito con il, quindi come un plurale misto. Ecco qui, adesso sappiamo tutto dei pronomi soggetto del francese. Alors, nous allons étudier les verbes être et avoir. Conjuguons le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Récapitulons. Je suis, tu es, il est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Passons maintenant au verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Et récapitulons le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Alors, nous allons voir le nom des pays, les adjectifs de nationalité et les langues. Mais avant, examinons quelques règles très simples. Alors, pour désigner une personne, nous devons mettre la lettre majuscule à l'adjectif qui est utilisé comme nom. Exemple, un Français, une Danoise. Pour les adjectifs de nationalité, il n'y a pas de majuscule. Par exemple, un vin italien, une actrice espagnole. Et pour le nom des langues, jamais de majuscule. Par exemple, il parle danois, nous étudions le portugais. Et maintenant, faisons un petit voyage en Europe. Commençons par la France. Alors, un Français, une Française, Français, Française, je parle français. Ensuite, l'Italie. Nous avons un Italien, une Italienne, Italien, Italienne, je parle italien. L'Espagne, un Espagnol,
Une espagnole, espagnol, espagnol. Je parle espagnol. Ensuite, le Portugal. Un portugais, une portugaise. Portugais, portugaise. Je parle portugais. Passons maintenant à la Suisse. Nous avons un Suisse, une Suissesse, Suisse, Suissesse. Et pour la langue, il n'y a pas une langue suisse, mais plusieurs langues nationales. Nous disons donc « je parle français, italien ou allemand ». Ensuite, nous avons la Belgique. Et donc, un Belge, une Belge, Belge, Belge. Et je parle français, qui est la langue de la Belgique. Ensuite, la Hollande. Nous avons un Hollandais, une Hollandaise, Hollandais, Hollandaise. Je parle hollandais. Passons maintenant à l'Allemagne. Un Allemand, une Allemande, Allemand, Allemande. Je parle allemand. Ensuite, nous avons l'Autriche, un Autrichien, une Autrichienne, Autrichien, Autrichienne, je parle allemand, qui est la langue de l'Autriche. La République tchèque, un Tchèque, une Tchèque, 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 je parle tchèque. Maintenant, la Pologne, un Polonais, une Polonaise, Polonais, Polonaise, je parle polonais. La Roumanie maintenant, un Roumain, une Roumaine, Roumain, Roumaine, je parle roumain. La Bulgarie, un Bulgare, une Bulgare, 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 je parle bulgare. Ensuite, le Danemark, un Danois, une Danoise, Danois, Danoise, je parle danois. Ensuite, la Norvège, un Norvégien, une Norvégienne, Norvégien, Norvégienne, je parle norvégien. Nous avons maintenant la Suède, un Suédois, une Suédoise, Suédois, Suédoise, je parle suédois. Allora, abbiamo visto i nomi delle nazioni, di alcune nazioni, gli aggettivi di nazionalità e il nome delle lingue. Per quanto riguarda gli aggettivi di nazionalità, volevo precisare quindi che quando un aggettivo di nazionalità viene usato come nome riferito ad una persona, prende sempre la lettera maiuscola. Se per esempio dico j'habite avec un italien, qui un italien è usato come nome, un nome riferito ad una persona e quindi prende la lettera maiuscola, la I maiuscola. Se invece uso l'aggettivo di nazionalità per qualificare un nome, in questo caso non metto la lettera maiuscola. Per esempio, se dico mon mari è espagnol, espagnol non prende la lettera maiuscola perché è un aggettivo che qualifica un nome e non è usato come un nome. Invece, per quanto riguarda il nome delle nazioni, abbiamo visto una lista certamente non esaustiva, abbiamo potuto notare che la maggior parte dei paesi sono di genere femminile perché preceduti dall'articolo la. Ma ce ne sono anche alcuni maschili, che sono sicuramente molto di meno. Per esempio, le Danemark, le Portugal, le Maroc, le Canada, le Qatar e in questo momento non me ne vengono altri. Comunque bisogna conoscere gli articoli che precedono il nome del paese. Perché? Perché quando andiamo a usare la preposizione riferita ad un nome di paese bisogna conoscerne il genere. Infatti, con un paese di genere femminile
usiamo la preposizione en e en. Per esempio, j'habite en France, je travaille en Grèce, je vais en vacances en Belgique. Con i paesi invece di genere maschile uso la preposizione au, scritto au. Esempio, j'habite au Portugal, je travaille au Danemark, je vais en vacances au Maroc. Ecco qui quindi en, au. En per i paesi femminili, au per i paesi maschili. E per finire, concludo il mio intervento dicendo che il nome delle lingue sono sempre al maschile. Per esempio, le russe, le français, le portugais, le polonais, le finlandais, eccetera. Ecco qui, abbiamo finito. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55. 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65. 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75. 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85. 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95. 96, 97, 98, 99, 100. Allora, abbiamo appena visto i numeri da 1 a 100. Allora, naturalmente per impararli bisogna ripassarli. Spesso, però volevo darvi qualche piccola indicazione.
Allora, da 1 a 69 possiamo dire che sono, i numeri sono abbastanza regolari. L'unica cosa da ricordarsi è di mettere E tra la decina e la prima unità. Per esempio, 21, 31, 41, 51, 61. E però, a partire da 70, le cose si complicano un pochettino. Voglio precisare che i numeri da 70 a 100 si dicono diversamente in Francia rispetto ad altri paesi francofoni come la Svizzera, il Belgio, il Canada, eccetera. Noi adotteremo la terminologia usata in Francia e poi dopo, alla fine, vi dirò anche come si dice in questi altri paesi. Quindi 70 si dice 70, come se io andassi a sommare 60 e 10, 70. E poi 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. E poi arriviamo a 80, 80 che si dice 80, 420, come se facessi 4 per 20 che fa 80. E quindi 80, 81, e qui non metto il E tra la decina e la prima unità, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, e poi arriva 90, 90, come se facesse 4, 20, 10, 4 per 20 più 10, 90, e poi 91, e anche qui omettiamo il E, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, e poi arriva il 100, 100. E poi continuiamo. Ecco qui. Quindi vi dicevo, in Francia si usa questa terminologia che vi ho appena detto, ma per esempio in Belgio, in Canada o in Svizzera, dove io sono cresciuta, si dice 70 per 70, che sarebbe anche un po' più logico, 70, 71, 72, 73, eccetera. 80 si dice, si mantiene 80, oppure c'è chi dice 80, ma è più raro, quindi 80, 82, 82, 83, eccetera. E 90 si dice 90, 91, 92, 93, eccetera. Quindi adottate la terminologia del francese standard, ma sappiate che si può dire che può essere che in altri paesi sentirete questi numeri detti in maniera diversa. Adesso concludo con una piccola parentesi di pronuncia. Vi pronuncerò delle coppie di numeri che hanno una pronuncia molto simile, ma naturalmente diversa, e quindi prestate attenzione a queste sottigliezze. Allora, queste coppie sono per esempio 3, 13, 3, 13, 3, 13, 6, 16, 6, 16, 6, 16, poi 62, 72, 62, 72, 62, 72, poi 63, 73, poi 83, 93, 86, 96. Quindi nel ripassare i numeri, oltre a ricordarvi di quello che vi ho detto rispetto al numero 70 e seguenti, ricordatevi pure di prestare attenzione alla pronuncia di alcuni numeri che hanno una pronuncia quasi simile, ma che naturalmente sono diversi. Ecco qui. Alors voyons quelques expressions de salutation.
Alors, si nous voulons dire bonjour de manière formelle, c'est-à-dire à une personne à laquelle nous disons vous, nous utilisons les expressions suivantes. Bonjour monsieur, bonjour madame, ou bonsoir mademoiselle. Bonsoir s'utilise le soir. Si nous voulons dire bonjour de manière informelle, c'est-à-dire à un ami, un membre de la famille, nous disons salut, ciao, ça va? Pour dire au revoir de manière formelle, nous disons au revoir monsieur, au revoir madame, à demain, si nous savons de revoir la dame le jour suivant. Au revoir mademoiselle, à bientôt, si nous ne savons pas quand nous revoyons la personne. Pour dire au revoir de manière informelle, nous disons salut, ciao, à plus tard. Abbiamo appena visto le espressioni per salutare e le espressioni per presentarsi. Allora, volevo solo precisare una cosa. Quando ci rivolgiamo a un signore, in maniera quindi informale, usiamo monsieur. Se invece ci rivolgiamo a più signori, diremo messieurs. Se noi invece ci rivolgiamo ad una signora, diremo madame. A più signore, diremo mesdames. Ad una signorina diremo mademoiselle, a più signorine diremo mesdemoiselles. Quindi monsieur, messieurs, madame, mesdames, mademoiselle, mesdemoiselles. Allora, per salutare in un contesto formale si dice bonjour nell'arco della giornata e bonsoir la sera quando è buio. E quindi non come in italiano in cui spesso si sente buonasera già all'una del pomeriggio. Quindi bonjour nell'arco della giornata e bonsoir la sera. Per salutare invece in un contesto informale, quindi tra amici, tra parenti, si usa l'espressione salut. Salut Jean, salut Marc, per esempio. E se, per prendere congedo invece in maniera formale si dice, si usa l'espressione au revoir. Au revoir monsieur, au revoir madame, au revoir Caroline. E invece in una situazione informale, quindi tra amici e tra parenti, si usa sempre salut, la stessa cosa, salut. Queste espressioni salut, au revoir si possono accompagnare a, per esempio, l'espressione à bientôt che significa a presto. Quindi posso dire salut Marc, à bientôt, oppure posso usare l'espressione à tout à l'heure che significa a dopo. Au revoir monsieur, à tout à l'heure. Passons maintenant à quelques expressions pour se présenter. Alors, si nous voulons dire notre nom et notre prénom, nous disons je m'appelle Justine. Et toi, comment tu t'appelles? Et vous, comment vous vous appelez? Je peux dire aussi, mon prénom est Justine, mon nom est Blanc. Et toi, quel est ton prénom? Si je dis tu. Et vous, quel est votre prénom? Si je dis vous. Pour dire son âge, nous disons j'ai 30 ans. Et toi, quel âge as-tu? Et vous, quel âge avez-vous? Pour dire sa nationalité, je suis italien. Et toi, de quelle nationalité es-tu? Et vous, de quelle nationalité êtes-vous? Et pour parler de sa profession, nous disons « Je suis professeur ». Et toi, quelle est ta profession? Thank you.
avec le pronom sujet juste. Vous êtes très sympathique. Voilà Marc et Francine, ils sont étudiants en économie. Bonjour madame, vous allez bien? Je suis avec mes amis, on regarde la télévision. Le livre est sur la table, il est intéressant. La télévision ne fonctionne pas, elle est en panne. Vous êtes espagnol? Benjamin et François sont à l'université. Ils sont étudiants. Ils ont 30 ans. Tu es mon meilleur ami. Complétez avec le verbe être ou avoir. Bonjour monsieur, vous êtes français? Philippe et Marco sont à Paris. Isabelle est belle. Nous avons une villa à Capri.
Mon ami a 20 ans. Martine est suédoise. Tu es mon meilleur ami. Je suis super intelligent. Complétez avec l'adjectif ou la préposition manquant. Mon mari est français. En Suède, il fait très froid. Javier de Paz est un Espagnol très sympathique. Actuellement, il travaille à Lisbonne, au Portugal. Ce film allemand est très intéressant. Jacques et Amélie étudient le polonais. Les Belges sont trilingues. Ma cousine est française. Les Allemands parlent très bien anglais. Angélique est portugaise. Cochez la bonne réponse. 16. 16. Vingt-six.
26. Soixante-seize. Six. Quatre-vingt-trois. Trente-trois. Cinq. Soixante-dix-neuf. Dix-sept. Quatre-vingt-neuf. Cocher la réponse juste. Dire son nom. Dupont. Dire son âge. J'ai 18 ans. Demander la nationalité. Quelle est ta nationalité? Dire sa profession. Je suis journaliste. Saluer un ami. Salut. Demandez le nom et prénom. Comment vous vous appelez? Demandez l'âge.
Quel âge avez-vous? Dire sa nationalité. Je suis française. Demandez la profession. Quelle est ta profession? Lisez le texte suivant et répondez aux questions. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Sanchez et j'ai 32 ans. Je suis pédiatre. Je suis espagnol et je travaille en France. Mes amis français sont très sympas et je suis très content de vivre en France. Les Français sont très accueillants. Je parle très bien espagnol et français et j'étudie l'anglais. Quel âge a Hugo? Hugo a 32 ans. Quelle est la profession de Hugo? Hugo est pédiatre. Quelle est la nationalité de Hugo? Hugo est espagnol. Où travaille Hugo? Hugo travaille en France. Hugo est content de vivre en France? Oui, il est très content de vivre en France. Salut Mathieu, tu es américain? Non, je suis anglais. Et tu as quel âge? J'ai 20 ans. Et toi? Moi, j'ai 18 ans. Mais tu es ici en France pour étudier? Oui, j'étudie l'économie. Et toi? Ah, j'étudie la littérature. À propos, comment tu t'appelles? Je m'appelle Francine. Ah, tu es française? Oui, je suis française. Tu peux me donner ton numéro de téléphone? Ah non, pas question! Salut Mathieu, tu es américain? Non, je suis anglais. Et tu as quel âge? J'ai 20 ans. Et toi?
Moi, j'ai 18 ans. Mais tu es ici en France pour étudier ? Oui, j'étudie l'économie. Et toi ? Ah, j'étudie la littérature. À propos, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Francine. Ah, tu es française ? Oui, je suis française. Tu peux me donner ton numéro de téléphone ? Ah non, pas question. Salut Mathieu, tu es américain ? Non, je suis anglais. Et tu as quel âge ? J'ai 20 ans. Et toi ? Moi, j'ai 18 ans. Mais tu es ici en France pour étudier ? Oui, j'étudie l'économie. Et toi ? Ah, j'étudie la littérature. À propos, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Francine. Ah, tu es française ? Oui, je suis française. Tu peux me donner ton numéro de téléphone ? Ah non, pas question. Salut Mathieu, tu es américain ? Non, je suis anglais. Et tu as quel âge ? J'ai 20 ans. Et toi ? Moi, j'ai 18 ans. Mais tu es ici en France pour étudier ? Oui, j'étudie l'économie. Et toi ? Ah, j'étudie la littérature. À propos, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Francine. Ah, tu es française ? Oui, je suis française. Tu peux me donner ton numéro de téléphone ? Ah non, pas question. Ah. Salut Mathieu, tu es américain ? Non, je suis anglais. Et tu as quel âge ? J'ai 20 ans. Et toi ? Moi, j'ai 18 ans. Mais tu es ici en France pour étudier ? Oui, j'étudie l'économie. Et toi ? Ah, j'étudie la littérature. À propos, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Francine. Ah, tu es française ? Oui, je suis française. Tu peux me donner ton numéro de téléphone ? Ah non, pas question. Ah, pardon alors. Thank you.